time go home. Come on, baby, let the good time go home. Come on, baby, let the good time go home. Come on, baby, let the good time go home. Come on, baby, let the good time. Et on va continuer avec une insolite comme voilà. Hein. Bon, tu sais que moi j'adore ce qui se passe au-dessus de nos têtes. Ouais. Tout autour de nous, ouais, dans l'univers. T'es un peu perché quoi. Voilà. Folklore. Et on va finir avec. Justement, on connaît François Hollande, mais qui est-il réellement? Est-ce que tu peux nous décrire quelques dates symboliques? Voilà, je vais faire un portrait assez rapide. Donc, François Hollande, 30 ans de vie politique, 24e président de la République au niveau français, 7e de la République, de la 5e République, et 2e président du Parti Socialiste depuis 1958. Il est né le 12 août 1954 à Rouen. Il démarre en fait en faisant donc le meilleur élève à la promotion Voltaire de l'ENA. Où il rencontre Ségolène Royal. Voilà, tout à fait. En 80, il devient chargé de mission pour les questions économiques à l'Élysée sous François Mitterrand. En 88, il devient député en même temps que Ségolène Royal, donc à savoir c'est le seul couple de l'Assemblée générale, de l'Assemblée nationale, pardon, effectivement. C'était un peu plus haut que ça. Voilà, en 97, il devient. Chouchou quand même, d'ailleurs, bah tiens, Hanouna, parce que lui sur France 4, il a beau dire dans son émission « Touche pas à mon poste », il l'a bien piqué, celui de son pote Morandini. Ouais, la tranche horaire. C'est ça, et bah du coup Morandini, lui, il passe de Direct 8 à Energy 12, qui me dira, hein, déjà qu'il a la banane, là il va pouvoir sourire aux anges de la télé. Oh là là. Oh, comme c'est joli, je m'appelle. Comme c'est, non. Promenade de l'info, tout de suite, on va voir Jump Boy, hein, avec un petit peu de rap. Vas-y, je te laisse faire. Je débarque dans l'année 2007, je débute dans hip-hop en claquant des 16. Très vite, je m'adapte à ce milieu, un monde qui me rend super curieux. Au lieu de galérer dans les cas d'escalier, je cours et parcours plusieurs concours. Victoire sur victoire qui me donne envie d'y croire, malgré les pauvres déjà où j'ai gardé espoir. Je me fixe à l'objectif, me retrouver en haut de l'affiche. Je m'instruis et construis mon avenir, grâce à un public qui vient me soutenir. Wow, ça a l'air pas mal. Ça, je pense que ça va plaire à beaucoup de monde. Et dans Top Chef, alors je pense qu'il y a beaucoup d'internautes qui se posent une question, c'est comment se passe un tournage de Top Chef? Le tournage de Top Chef, donc c'est à peu près un peu plus d'un mois et demi de tournage, tous les jours sauf le dimanche. D'accord. Même ceux qui habitent à Paris restent dans un hôtel pour entrer. Et c'est de 8h à 21h à peu près, une épreuve par jour. Donc il faut à peu près 4 jours de tournage pour faire un lundi de diffusion. Ah oui. Alors niveau ambiance, comment ça s'organise? Est-ce qu'on vous donne des directives? Alors en fait, le premier mot de la production, ça a été on dit qu'on fait ce qu'on veut. D'accord. Donc voilà, on peut dire des gros mots, on fait ce qu'on veut en fait. Ouais, c'est bien ça. Voilà, c'est comme je vais aller à Top Chef. Allez. Bah, bonne chance, mais de... ça va être assez cool. Ouais, niveau cuisine, tu vas t'aider. Voilà, tu m'améliores. Voilà. Et vous, Pierre-Yves Bournazel, si Nicolas Sarkozy gagne, où allez-vous? J'aimerais bien être simplement place de la République. Calmement, pas place de la Bastille pour couper des têtes comme je viens de l'entendre. Tout ce qui est caricatural est insignifiant, juste parce qu'on a besoin de consensus national dans une période dure. On a traversé une semaine encore difficile. On a besoin d'unité nationale, on a besoin d'hommes expérimentés, on a besoin de gens qui soient capables de prendre les bonnes décisions au bon moment et pas de gens qui laissent couler les dettes, comme ça a été fait dans les collectivités socialistes, par exemple en Corrèze, voilà. Le département le plus endetté de France. C'est bon, vous avez... Voilà, donc voyez, monsieur encore menti me va accusant de vouloir couper des têtes, ce que on va jamais dit. Donc c'est un dans un autre débat infâme que de dire que nous on souhaiterait s'il vous plaît, couper, les, on souhaiterait couper les têtes. C'est juste infamant et insultant. Il y a des gens qui nient la force. On va juste terminer notre chronique. Oui, c'est moi qui l'ai fait, je crois. D'accord. Voilà. Lelouch, allez mon gars. Allez. C'est bien, voilà, ça c'est de la promenade. On fait voilà, un petit shooting. Ouais, c'est quoi la question du coup, les projets? Alors, justement dans les sketchs, d'où te viennent... Les gens vont vomir. Ça va faire le buzz, mon pote. D'où te viennent l'idée de ces sketchs, justement dans le discours? Parce que celui-là, il est connu, hein. Moi j'en ai entendu parler à chaque fois, Charles Avion. Le Discount. Le Discount, la fille pauvre. Ouais, c'est parce que le Discount, c'est fait partie de ma vie et que j'avais envie d'en parler. Tu déménages pas dans un Discount, toi, hein? C'est vraiment la cigale. Je comprends pas ce que tu dis. Ah, mais je vais courir. Allez, on va courir. Hop, j'en <j'occupe. rire> C'était quoi la question? Non, justement, d'où te vient, parce fait, d'où te vient en fait l'idée du Discount? Le Discount, c'est que en fait, ça fait partie de ma vie, le Discount. Mes parents sont chez Discount et du coup, moi j'avais envie d'en parler pour.
bah, pour parler des produits qui sont en bas, du fait qu'il n'y a pas de nom sur les produits. D'accord. Ouais, ça t'intéresse quand il n'y a pas de nom, tu sais pas ce que t'achètes. Bah c'est assez marrant de voir que c'est des pâtes, tu vois, même pas ils sont pris la tête. Ouais, ils ont pas même pas fait une petite marque. Un truc qui a un pouce comme ça. Moi c'est le pouce en fait, parce que quand j'allais faire les courses pour mes parents, et je savais qu'il fallait que je trouve le pouce. Ils me disent des pâtes, ils m'ont pas dit pour nos amis ou machin, je savais que c'était le pouce. D'accord. On avait pas besoin de discuter entre nous, on se comprenait. Voilà. Et t'achètes des pâtes. C'est ce que je veux dire. Et t'as dit, tu achètes des pâtes, de la viande, du poisson, la sauce tomate, et tout ça pour 2 euros. Ah bah dis donc. Bon bah Charlie, en tout cas merci de nous avoir reçus. En fait elle merci. S'entraîne parce que là c'est son spectacle. Ouais. Bientôt là dans une demi-heure elle reçoit voilà tout le public qui va être là. Hein. Ici comme ça. Voilà. Bah merci. Attends, excuse-moi parce que attendant. Il y a des mecs de ton équipe qui se cachent sous des sièges, vous êtes super chelou les gars. Il y a une fille qui fait des photos, voilà. Et ça c'est ma salle. Voilà, et ça c'est le mec, le caméraman. Et ça c'est moi. Dans ta thermo, t'as déjà vu. Ah oui. Et ça c'est moi. Ouais. Prends le chapeau, hein. Je vais l'autographe. Par exemple pour Promenade de l'info, quelle promo ça pourrait être? Pour une promo. Ah, une promo décalée, ce serait bah, par exemple de mettre John Game dans la barcasse, la faire avancer et puis bon. Faire un questionnaire sur les Miss France, sur les dauphins, sur les canards, hein Geneviève? Ah ouais, vous avez un programme très chargé. Parce qu'on y a le maillot de bain. On va se baigner. Allez, on y va. Tu viens, Geneviève? Allez, il y a ton maillot de bain qui t'attend. Dans Facebook en plus. J'ouvre assez tôt le matin et je ferme très tard le soir. Voilà, c'est, en plus c'est plus que les 35 heures. Alors, et justement, est-ce que quel est un peu votre ressentiment, quel est votre plus beau souvenir tout au long de cette carrière? Beaucoup de choses. Ouais, non, mes plus beaux souvenirs, c'est toujours ceux d'aujourd'hui ou d'hier. Voilà, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, ben voilà, vous êtes là, vous avez... Ah, on saura peut-être votre plus beau souvenir, peut-être. On va voir. On vous après notre promenade, on a rejoint Jérôme Anthony qui nous a reçus pour l'organisation un peu de son émission Le Top 50. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez commencé à la radio et dans la chanson. Qu'est-ce qui vous a amené à venir après à la télévision? Alors en fait c'est de vouloir faire de la chanson qui a fait que je me suis retrouvé à faire de la radio. J'ai fait de la radio très longtemps, je fais de la radio 20 ou 25. En fait j'ai commencé à faire de la radio à l'âge de 14 ans. D'accord. C'était le tout début des radios FM. Donc c'était l'occasion pour moi de m'approcher de la musique. J'avais envie de faire de la chanson, de m'approcher de la musique, et puis finalement j'ai fait de la radio pendant très longtemps. J'ai eu ce petit passage, cette chance de pouvoir faire un ou deux disques qui n'ont pas fonctionné, et j'ai vite compris qu'il fallait pas que j'insiste dans ce domaine, et c'est comme ça que je me suis retrouvé. Finalement ça marche plutôt bien maintenant à la télévision. Voilà, donc c'est un petit peu le cursus classique de la radio qui amène à faire de la télé. D'accord, et